Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est véritablement une interview explosive, Explosive, une interview une que je interview que je qualifierais qualifierais d'explosive d'explosive également, que que nous nous allons allons mener mener aujourd'hui aujourd'hui. en duplex avec le professeur Jean-Bernard Fourtillant, qui est mon invité, l'invité de François, comme vous voyez derrière moi. Vous vous souvenez de son arrestation forcée, musclée, d'il y a 15 jours, qui a fortement marqué véritablement l'opinion publique. Le professeur Fourtillant a vécu vraiment des conditions de détention et vous le verrez tout au long de cette émission extrêmement difficiles, parfois même, il faut employer le terme, inhumaines. Le juge des libertés l'a finalement remis en liberté, estimant qu'il n'y avait pas, en tout cas peu, de charges suffisantes contre lui. Professeur, bonjour. Bonjour. Je tiens à vous dire que je fais cette interview sans aucune connivence, mais avec la bienveillance d'usage qui me caractérise, en tout cas à votre égard. Au-delà des faits que vous allez tout au long de cette émission nous relater, je vous poserai, et c'est mon devoir journalistique, et c'est aussi l'objet, je dirais, de cette émission, le devoir de vérité, quelques questions qui fâchent, tout en n'imposant, bien sûr, aucun point de vue et en laissant à l'auditoire sa liberté véritablement de jugement. La liberté d'opinion, la liberté d'expression, c'est ce qui nous manque aujourd'hui terriblement dans notre société, qui, avouons-le, devient en tout cas de plus en plus liberticide. Il faut dire que vous, professeur, vous tapez fort, vous tapez très fort, car vous avez déposé une plainte contre l'Institut Pasteur pour avoir créé ce fameux virus. Vous avez également participé, on s'en souvient, au film Hold Up, et vous êtes considéré, je dirais, comme une grande partie maintenant des Français, comme conspirationniste. Là aussi, on y reviendra et on verra s'il y a un lien justement de cause à effet entre votre arrestation et justement les propos que vous tenez. Mais tout d'abord, professeur, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de parler donc et de vous exprimer sur François? Pourquoi François? Mais écoutez, j'avais décidé de ne parler qu'à fond ce soir. Les conditions de l'interview me conviennent parfaitement et je n'en ferai pas d'autres, parce que voilà, j'apprécie uniquement la vérité. Je pense que c'est le seul média qui ait le courage de dire la vérité. Voilà. Alors, professeur, est-ce que vous pouvez commencer cette émission par nous dire exactement les faits qui vous ont été reprochés? Premièrement, pour commencer, je ne peux pas rappeler, mais dans la plainte que j'ai portée contre l'Institut Pasteur, c'était le 4 décembre. C'était le jour d'ailleurs où on m'attendait avec un piège, donc à Paris. Je ne suis pas allé le 4 décembre, heureusement pour moi, je ne me suis pas rendu à Paris, à la convocation. Et le 7 décembre, le lundi 7 décembre suivant, hein, j'ai eu un mandat d'amener. Les gendarmes sont venus me chercher, donc dans ma planque, parce que je m'étais caché pour faire la vidéo du 20 août. J'étais caché depuis 4 mois, je n'en ai parlé à personne. Personne ne savait où j'étais, même pas mes enfants, ma famille, mon avocat ne savait rien. Je ne lui ai jamais rien dit. Donc, Donc, ils vous ont effectivement, localisé et les gendarmes sont venus vous chercher. ils sont venus me chercher et effectivement, il fallait me transférer. Et pour me transférer à Paris, comme c'était le 11. Elle m'attendait le vendredi 11 décembre, eh bien, on m'a amené à la gendarmerie de Saint-Martin-de-Valgarde, près d'Alès. Voilà. C'était des gendarmes qui connaissaient parfaitement, ils étaient en profession de gendarmes, ils connaissaient parfaitement la situation, d'ailleurs. Ils savaient que le Covid-19 était fabriqué par l'Institut Pasteur. Et effectivement, je suis allé à la gendarmerie, et comme j'étais à plus de 200 km de Paris, je suis passé devant le juge des libertés à Alès. Et le juge des libertés a la possibilité selon mes dires, de me refuser le transfert à Paris ou de l'accepter. Et quand je suis arrivé devant le juge des libertés, j'avais comme témoin d'ailleurs derrière moi les gendarmes qui étaient au courant de la situation, je suis tombé devant le juge des libertés qui m'a dit tout de suite, j'avais sorti le masque, mettez le masque, etc., jusqu'aux yeux. Je lui ai dit, je ne peux pas parler avec le masque. Bon, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait, je l'ai mis. Et puis, je lui ai demandé, madame, voilà, est-ce que vous pouvez accepter ou refuser le transfert? Si moi, je refuse le transfert, elle m'a dit, que vous refusiez ou non, vous irez à Paris, on vous mettra en prison, puisque vous êtes rebelle. Et comme c'est le 11 que vous devez être à Paris, le 10 de la prison, on vous transférera. Donc, je n'étais pas écroué, j'étais en transfert.
Mais comme ils savaient que j'étais rebelle, ils m'ont mis en prison. Alors, ils vous ont mis en prison dans quelles conditions exactement? Vous étiez, je crois, trois dans une cellule, c'est ça? Alors, c'est la prison la plus pourrie de France. Il y a trois fois trop de détenus. Et j'étais aux arrivants. Normalement, en arrivant, on est en cellule seule. Alors, je suis arrivé donc là-bas, on m'a mis en pyjama, en tenue. Je suis arrivé donc comme un prisonnier. Tout le monde croyait que j'étais croué. Donc, je n'étais pas accusé, j'étais en transfert. Et je suis arrivé dans une cellule où il y avait de 5 mètres carrés, il y avait un lit et il y avait déjà quelqu'un. Alors, bon, il avait 20 ans, donc il m'a laissé le matelas, il a couché par terre, lui, sur un autre truc. Et puis, à minuit et demi de la nuit, il y a un autre qui est arrivé, on était 3 sur 5 mètres carrés. Donc, 3 avec un seul lit, c'est ce que vous confirmez. Il fumait du hashish sans arrêt, hein, c'est des petits marchands de hashish. Il faut voir les conditions, hein. Donc tout était cassé, donc ça a duré 24 heures, le lendemain... Donc c'était une nuit de cauchemar, j'imagine, pour vous, ça aurait pu mal tourner également, hein, vous dites. Alors comme ils étaient en manque, ils fumaient du hash, ils avaient de la résine de cannabis, donc les gendarmes leur donnaient du tabac pour se fabriquer ils n'arrêtaient pas de fumer du hash. Comme ils avaient été en manque, ils dormaient mal la nuit, donc la télévision était branchée sans arrêt. Non, et puis j'ai passé une nuit comme ça, ils fumaient, alors évidemment ça sentait le hache, moi je fume pas, je fume même pas, mais puis ils ont le cerveau démoli, ces gens-là. Voilà, et à ce moment-là, professeur, je tiens à poser une question quand même, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Vous êtes dit alors quoi? Alors après, normalement, quand on rentre en prison, on doit voir un médecin. Alors le médecin, j'ai vu le médecin de la prison. Alors je lui ai dit, madame, je suis en transfert, mais si vous allez voir sur le site la plainte du professeur de Mme Fortier contre l'Institut Pasteur, vous allez voir que je suis interné parce que c'est moi donc qui ai dénoncé la fabrication du Covid-19 par l'Institut Pasteur. Et ça, alors là, on a toutes les preuves, hein, vous le savez. Donc effectivement, ils ont commencé à dire, il est fou. Bon, et puis le lendemain, j'ai vu le médecin psychiatre. Alors le médecin psychiatre, je lui ai dit, madame... vous avez vu la plainte contre le pasteur? On ne l'avait pas vue. Mais je lui ai dit, mais elle m'a trouvé exalté. Alors je lui ai dit, écoutez, je suis exalté, mais quand vous connaîtrez la vérité, vous avez écoutez Jean-Marie Bigard quand il parle contre Macron, vous allez voir, il est plus exalté que moi. Mais s'il savait, Jean-Marie Bigard, que l'Institut Pasteur a fabriqué le Covid-19, tout exploserait, hein. Alors puisqu'elle me trouvait exalté, j'étais pas tellement exalté. Évidemment, quand on sait ça, tous les gens qui vont atterrir avec leurs masques partout, et quand ils vont savoir l'horreur absolue, hein, qu'on fabrique un virus artificiel afin de leur donner le vaccin et puis de le flinguer à 7,5 milliards de personnes, c'est quelque chose d'horrible. Non mais professeur, pardonnez-moi, mais moi je suis journaliste, hein. Pour l'instant c'est pas avéré, ce ne sont que des suppositions. Alors vous l'affirmez comme si vous connaissiez vous-même la réalité. C'est de votre droit et je le respecte. Cela dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui encore en France qui en doutent, si vous voulez. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui apporter toutes les preuves. Mais je voudrais revenir quand même sur cette analyse du psy. Est-ce que lui vous a prescrit des médicaments à prendre, à avaler, et pour vous reconditionner en quelque sorte? Donc là, j'étais en prison. Et ça m'a sauvé la vie. Parce que les hôpitaux, j'ai commencé à parler. Donc, ensuite, je lui ai dit, parce que je le savais, bon, que Trump allait être élu, mais ça, c'était une discussion. Alors là, il a dit, il est complètement fou, je vous arrête tout de suite. Là, c'est impossible. Biden est le président. Et alors là, c'était l'urgence psychiatrique. Et le lendemain, je suis parti à l'hôpital psychiatrique avec les bras et les pieds attachés sur une civière psychiatrique. Vous savez, une civière spécialisée. C'était la camisole physique. Et puis, je suis parti de Nîmes à la clinique du ZES. En 38 minutes, j'avais deux infirmiers psychiatriques que j'ai convaincu, qui ont compris, qui m'ont parlé après de leurs enfants, qui avaient eu les vaccins contre l'aluminium et tout. Et quand je suis arrivé là-bas, les psychiatres ont commencé à comprendre. Et puis après, je leur ai expliqué que j'avais découvert, avec le patch, j'avais découvert les mécanismes biologiques et les maladies psychiques, et que je connaissais les causes. Et ça s'est terminé comme ça. Après, voilà, il m'a dit, on ne peut pas vous garder si on n'a pas de médicaments, il faut faire un traitement. Alors je lui ai dit, écoutez, voilà, vous allez dire que j'ai une exaltation de l'humeur. Après, j'ai choisi un médicament, j'ai dit, je veux
l'olanzapine, je veux petite dose parce que c'est le moins pire. Et puis voilà, et ensuite on m'a traité, mais ils avaient compris que j'étais tout à fait normal et j'ai passé une semaine là. Alors professeur, est-ce que le comité de soutien qui a été extrêmement puissant et qui s'est mis en place autour de vous a joué véritablement dans ce positionnement, je dirais, des médecins et de tout le corps médical sur place? Non, les psychiatres ont tenu leur rôle, ils ont parfaitement compris que j'étais tout à fait normal et j'avais une santé normale, puisque après, je suis passé devant le juge des libertés. J'avais l'accord des psychiatres, j'avais des médecins, j'ai eu une avocate au comité d'office absolument fantastique, qui était très très bien, qui avait tout compris, parce que vous me dites c'est pas avéré, mais vous savez que QAnon et tout le monde a dit que j'avais toutes les preuves. J'ai été relayé le 4 septembre, au soir, QAnon avait dit il a toutes les preuves, et tous les chefs d'État le savent. Encore quand même quelques questions concernant votre avocat, parce que vous aviez un avocat à la base, un avocat qui n'était pas en phase véritablement avec vous, et c'est la raison pour laquelle on vous a proposé donc un avocat commis d'office, c'est bien cela? Alors quand on m'a demandé si j'avais un avocat, j'en avais un, mais ça fait 6 mois qu'il n'a rien compris, alors, donc je lui cache tout, je lui dis que j'y vais pas, donc lui il s'est rendu aux convocations. Voilà, il pense que je suis complotiste, que je relève de la psychiatrie, parce que je dis que le Covid-19 est fabriqué par le Jules Pasteur. Alors, c'est vrai que, excusez-moi, professeur, mais il y a eu quand même des divisions, donc avec l'avocat, on l'a vu. Il y a eu également, il faut le signaler, quand même des divisions internes à la famille. La famille s'est sentie, donc, sous tension, bien entendu. Des failles sont apparues, donc, dans votre milieu familial, hein. Alors, vous faisiez vraiment figure, d'après vos proches, de famille extrêmement unie. Et tout d'un coup, eh bien, tout a volé un peu en éclats. C'est bien cela? Là, c'est un problème personnel. Mes enfants sont trompés. Bien sûr, j'étais déçu, mais je préfère pas en parler. D'accord. Alors, revenons peut-être sur les chefs d'inculpation. Donc, vous en parliez tout à l'heure, qui pèsent sur vous. Et notamment l'exercice illégal de la profession à la fois de pharmacien et surtout de la profession de médecin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de cela, des deux premiers chefs d'inculpation? Mais ça, c'était jugé depuis longtemps, depuis le 12 mars déjà. C'était jugé et ils ont essayé de me piéger en me faisant croire que j'étais convoqué pour ça, alors que c'était réglé, alors que c'était pour le Covid-19. Quand vous dites que c'est jugé, ça veut dire le jugement a dit quoi? Oui, mais c'était jugé, j'avais raison, tout le monde le savait, mais on ne donnait pas le jugement parce qu'il était défavorable à l'État. Donc le jugement, vous ne l'avez toujours pas? Mais il n'y a pas de jugement parce que j'étais sous contrôle judiciaire ad vitam aeternam, parce qu'on leur avait interdit de donner le jugement parce qu'ils m'étaient favorables. Et si j'étais favorable, vous n'avez qu'à voir, parce que j'avais dit au président de la République, il m'a jamais répondu, que les vaccins contre le myélome étaient très dangereux, il savait que c'était interdit, vous avez tous ces courriers, les lettres au président et tout, il n'a jamais répondu. Parce que si, j'avais raison, j'avais fait le certificat en français, en anglais, qui montrait que c'était dangereux, qui permettait de refuser le vaccin, il ne l'avait pas pu s'y opposer, mais il répondait pas, parce que s'ils avaient eu tort sur les 11 vaccins, bien sûr, ils avaient tort pour la suite. Et comme ils avaient prévu l'épidémie, la fausse épidémie, eh bien, ils étaient fichus. Et donc, ils m'ont piégé, et je vais vous dire comment a été le piège. Ils m'ont piégé, c'était déjà jugé, vous avez vu que l'exercice illégal de la profession, tout ça, c'était jugé, et quand je suis arrivé, voilà, quand je suis arrivé chez moi, le 18, au soir, j'avais un courrier que je suis le seul à avoir, même mon avocat ne l'a pas, et le 4 septembre, si j'étais arrivé là-bas, eh bien, j'étais interné à Sainte-Anne, dans un service dont je peux donner le nom du truc, dans le service de santé mentale qui est détenu par le docteur Raphaël Gaillard. C'est au centre hospitalier Sainte-Anne, service de santé mentale, 1 rue Cabanis, 75014 Paris-France. Vous aurez tout ça. Voilà. Au fin de procéder à une analyse psychiatrique, je serai rentré à Sainte-Anne. J'en serai sorti le 5 mars 2021. Je vous dis pas dans quel état. En légumes, d'après vous? Sûrement. Parce que actuellement, ils pouvaient pas me tuer. Ils ont tué beaucoup de gens. Ils pouvaient pas me tuer parce que je suis trop connu. Hein, vous savez que le docteur Fouché, là, de Marseille, ils veulent aussi faire une analyse psychiatrique. Alors, quand ils peuvent pas tuer les gens, ils les foutent comme au goulag, comme Staline, hein, et puis on n'en sort plus.
Alors derrière tout ça, d'après vous... Alors, je vais vous dire, là, j'accuse, c'est un piège d'ailleurs. Hein. À la Zola, alors vous lancez un j'accuse à la Zola en quelque sorte. J'accuse, alors je vais vous dire qui j'accuse. J'accuse Madame le juge d'instruction, Madame Brigitte Jolivet, qui est vice-présidente donc, du chargé d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Et j'accuse le juge d'instruction, M. Romain Magny-Sanson, de m'avoir tendu un piège sur un projet, une affaire déjà jugée, où j'étais sorti gagnant, de m'attirer là et pour me mettre à l'isolement pour que j'arrête le Covid-19. Parce que tout le monde sait maintenant, les gens n'ont pas compris, parce qu'il va falloir les faire atterrir, hein, les gens, et quand vous les voyez les masques, en douceur. Hein, et voilà, c'était un assassinat. Alors, en enquêtant... Oui. J'accuse, personnellement, comme Zola, j'accuse ces gens-là. Ok, alors j'ai plusieurs questions à vous poser. Tout d'abord, concernant votre protocole, vous dites, vous, qu'il a été extrêmement bénéfique. Nous, on a pu effectivement se procurer un certain nombre d'informations de personnes qui l'ont adopté, ce protocole, et effectivement avec des résultats super positifs. Mais d'un autre côté, derrière tout cela, il y a eu quand même des suicides. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces 3 suicides qui ont eu lieu? Ils ont interdit, alors, monsieur le président de monsieur Dominique Martin, j'ai accusé, hein, vous avez toutes les vidéos en intruminoscope. Hein. Monsieur le Président Martin, d'ailleurs, Dominique Martin vient d'être muté, là, c'est gênant. Il vient d'être nommé médecin conseil d'assurance maladie, là, le 1er décembre. Hein. Ils les mettent tous de côté. Alors, donc, monsieur, oui. Ces gens-là, donc, ils ont interdit les patchs à des malades. On avait tout fait légalement. Légalement, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai gagné. Tout était légal. Ils m'ont interdit le 12 mars après, de parler aux malades. Il y a eu des suicides, parce qu'on avait traité des gens. Vous allez regarder sur le site valentonine.fr, vous allez voir tous les témoignages. Vous savez que je suis quelqu'un de bien, d'humain, de croyant. J'ai un casier judiciaire extrêmement vierge. Et évidemment, ils ont coué le bec, hein, je leur ai coué le bec. Mais tous les journaux, sauf France Soir, hein, tous les journaux, les télévisions, j'étais un charlatan. Il y a eu un procès, d'ailleurs, qui a eu lieu... qui devait avoir lieu en janvier, mais avec les événements, il a eu lieu finalement au mois de mai. Et puis j'ai gagné. Monsieur Bernard Sely de l'NSM qui avait dit que j'étais un charlatan, monsieur Gilles Boulot de TF1 qui avait dit un charlatan, j'ai gagné, je suis pas un charlatan. Voilà. Alors, concernant, professeur, ces 3 suicides, d'après vous et d'après ce que je peux comprendre à travers vos dires, c'est le sevrage finalement, en quelque sorte, l'interdiction de la prescription de vos patchs qui a conduit finalement les gens au suicide. Écoutez, il faut aller voir le site valentonine.fr et l'association Maluval. Vous allez voir, il y a eu 3 suicides, mais il y a eu 2 euthanasies et il y a eu 2 gens qui sont suicidés le jour où ils ont su qu'il n'y aurait plus de patch. Et tout était régulier, hein. Tout était régulier. Et je dois dire que d'ailleurs, il y a un certain monsieur Patrick Gouet, vous le verrez, hein, le président du Conseil de l'Ordre des médecins. Hein, je dois dire que c'est vraiment... un personnage peu recommandable qui est acheté, qui voulait mettre M. Raoult, le sortir du Conseil de l'Ordre, qui a viré du Conseil de l'Ordre des médecins tous les médecins qui prescrivaient des toxicoroquines. Et ce M. Bouet, là, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on en parle là, et justement, mais il revient sur la sellette. Hein. On a l'impression, vu de l'extérieur, que c'est véritablement aujourd'hui une guerre des clans, y compris, donc, bien sûr, dans le milieu médical. Est-ce que vous pensez que votre participation au film Hold Up, dans lequel vous occupiez un rôle important, a été préjudiciable en quelque sorte pour vous? Non. Hold Up a été interdit à cause de ce que je disais uniquement. 3 minutes 26, d'ailleurs vous n'avez qu'à voir dans la plainte. J'ai tout analysé. Vous n'avez qu'à voir. Donc tout a été analysé. Laurent Delahousse a commencé à dire qu'il y avait des contre-vérités, il y avait au moins une trentaine de fake news, il n'y en avait aucune. Aucune. Et alors, ce qu'ils ont analysé, alors ils font beaucoup d'erreurs. Ils ont parlé de moi. 3 minutes 26, moi, ça s'est réduit à 26 secondes. Et puis, évidemment, et puis après, ils ont fait une faute énorme. Ils ont dit que les brevets d'Institut Pasteur n'avaient jamais inventé le virus. Alors là, vous n'avez qu'à voir. Hein. C'est pas compliqué. Le titre des brevets, il y en avait 3.
c'est toujours Pasteur. Ça, c'est de l'argent. Hein. On ne peut pas breveter un virus naturel. Et le titre, c'était « Nouveau coronavirus ». Et puis, il y avait 158 insertions génétiques d'ADN, d'ailleurs. Il y avait d'ailleurs le virus de la malaria, ça c'était normal, depuis 2003. Et puis ensuite, il y avait des nucléotides de synthèse, il y en avait 17 au moins. Et ça, c'est pas naturel. Et on ne peut pas, il faut qu'il y ait une invention. Je connais les brevets, ça fait 30 ans que j'en prends. Et moi, j'ai les brevets, ils sont délivrés, mes brevets de patch. Alors, je connais la question. Alors, justement, vous êtes professeur en pharmacologie, mais vous n'êtes pas professeur en médecine. Est-ce que les prérogatives qui sont les vôtres sont les mêmes dans ces deux domaines, d'après vous? Et notamment en ce qui concerne Alzheimer ou les troubles psychiatriques et psychiques. Bon, les professeurs de médecine, ils apprennent la médecine. Bon, d'ailleurs, la pratique de la médecine est interdite. Enfin, maintenant, ils ne peuvent plus rien faire. On leur a interdit un type qui est allergique à un vaccin, c'est interdit. On leur a interdit de prescrire de l'oxychloroquine, de soigner le malade. C'est inimaginable. C'est une dictature. C'est un très beau métier, la médecine. Mais les médicaments, ils n'y connaissent rien. Heureusement qu'ils n'y connaissent rien pour les labos. Parce que s'ils savaient ce qu'ils prescrivent, ils ne prescriraient pas. Et alors, justement, notre découverte, c'est formidable. Parce qu'ils vont comprendre les patchs, pourquoi. Et le malade va comprendre pourquoi on lui prescrit les patchs. C'est formidable. Hein? Alors, vous savez, les médecins ne connaissent rien aux médicaments, mais c'est pas leur métier. Moi, je fabrique des médicaments. J'étais expert toxicologue, mais pas livresque, moi, comme les experts des conseils de santé. Quand j'ai passé l'agrégation, moi, d'université. J'étais plus jeune engagé de France. En 72, je l'ai passé. Elle n'existe plus depuis 83. En médecine, elle n'a jamais existé. J'ai passé le concours sans ma compensation en 14. Il y a un concours, j'étais major, 20 sur 20. Ils ont jamais mis 20 sur 20. Et donc, bon, c'est pas pour me vanter. Mais parce que j'étais dans un domaine qui était prévu pour ça. Je pense que je suis né pour ça. Je l'ai dit d'ailleurs. Hein. Bon, je suis très croyant et je pense qu'on m'a fait naître pour ça. Voilà. Alors, professeur, il me reste encore 2-3 questions parce que le temps presse. La première de ces questions, c'est véritablement quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que vous avez peur qu'il y ait d'autres poursuites contre vous? Est-ce que vous craignez le pire pour les jours à venir? Non. Je pense que là, j'ai gagné une bataille terrible parce qu'on va afficher, j'accuse comme Zola, des personnes précises. Et là, c'est évident, le piège. Hein. Ils ont voulu me piéger. Hein. La convocation, c'était toujours la même histoire. Hein. Depuis le 12 mars l'année dernière, le problème est réglé. D'ailleurs, tous les officiers de police judiciaire de France, on a récupéré la commission rogatoire. C'était la plus grosse affaire. Hein. Vous pouvez demander à tous les officiers de police, à la profession de gendarme, tout le monde a compris. Tous les chefs d'État savent que j'ai la vérité. Et là, actuellement, ils sont dans une impasse incroyable. Ils ont commandé les vaccins Shadow Sun COVID-19. Il a été commandé par milliards. Il y a des milliards de doses. Ils voulaient vacciner. Moi, je me suis pris le 20 août, j'ai dénoncé. 8 jours après, ils avaient arrêté. Et là, maintenant, ils savent pas quoi faire. Ils font croire que, comme ils savent qu'ils sont condamnés à mort, parce que c'est quand même horrible, ce truc-là, ils savent que sont alors, ils font n'importe quoi. On vous dit que là, dimanche prochain, il va y avoir un vaccin, je ne sais pas lequel. Fabriqué le vaccin, ils l'ont livré. L'année dernière, ils ne savent plus quoi en faire de ce Shadow Swan COVID-19, et les autres sont des leurs. Et le vaccin mRNA de Pfizer, il n'existe pas, parce qu'on ne peut pas faire, avec un ARN messager, on ne peut pas faire porter le Covid-19 par un ARN, c'est complètement absurde. Non seulement c'est pas révolutionnaire, mais c'est impossible, c'est stupide. Mais professeur, je suis désolé, mais il y a quand même des comités scientifiques avec des professeurs également dedans qui, eux, ont jugé en leur âme et conscience, avec le discernement qui est le leur. Alors même si on ne partage pas, et peut-être moi le premier, cet avis-là, en tous les cas, par rapport à tous les professeurs qui sont venus sur ce plateau, ici, du défi de la vérité, on a eu le professeur Perron, le professeur Montagnier, on a eu une quinzaine de professeurs en ligne qui nous confirment votre version des faits. Cela dit, de l'autre camp, de l'autre côté, il y a également toute une part, semble-t-il, de vérité. Les Français, en partie, y croient à cette vérité-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, et pour conclure, aux Français concernant votre propre vérité? Moi, j'ai dit toute la vérité. D'ailleurs, c'est le citant dans ce titre. Je respecte énormément le professeur Perron, alors que vraiment j'admire, parce que je l'admire. J'aime aussi beaucoup le professeur Raoult. Ils disent la vérité. D'ailleurs, le professeur Raoult a démissionné du comité scientifique. Il a été viré d'INSERM, etc. Donc, la vérité, ça fait mal. Ils sont prêts à tout. Hein. Le professeur Perron, voilà, depuis que
sa famille, depuis qu'ils savent qu'on m'a mis à l'asile psychiatrique, mais justement, je m'en suis bien sorti. J'ai été sauvé par la prison, les psychiatres de la prison. Hein. J'ai un état sentimental parfait. D'ailleurs, ils ont pu le vérifier. Et là, vous avez, j'étais pour 4 mois à Sainte-Anne. Il aura fallu 2 jours pour comprendre, moi, que j'étais pas. Donc, j'étais en parfaite santé mentale. Là, je remercie tous les juges de liberté. Mais quand j'étais à l'Est, quand ils m'ont emmené, Madame Jolivet avait téléphoné à la liberté, à la juge de liberté pour dire que c'est un complotiste, il faut nous l'amener. Ils avaient tout prévu, sauf que j'allais être sauvé à la prison. Je vous coupe parce que ce que vous dites est très grave. Il y a eu interférence. Donc, avec une pression qui a été faite sur le juge des libertés. C'est ce que vous dites là, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et j'ai comme témoin l'adjudant Aurélie Godard de la gendarmerie de Saint-Martin-de-Vaugirard. Ils étaient derrière moi. Parce que, normalement, elle n'aurait pas dû intervenir. Elle avait téléphoné à la juge. Elle nous l'a dit. J'ai eu Madame Jolivet. Alors, évidemment, elle avait dit c'est un complotiste, il faut l'embarquer. Ils avaient tout prévu, sauf que j'allais être sauvé quand j'ai dit au médecin psychiatre que le Covid-19 était fabriqué par l'Institut Pasteur, c'est impossible, ça, vous vous rendez compte? Il va falloir les faire attirer, les gens. Hein. Mais ils ont dit que j'étais fou. Et quand j'ai dit que Trump allait être élu, ce qui va être la vérité. Mais voilà, j'étais... Et après, tout s'est arrangé, c'était des gens honnêtes, je vais aller les remercier, ils m'ont sauvé la vie. Bon, écoutez, professeur, en tout cas... Oui. C'est comme cela, c'est très très grave. Ils sont foutus, là. Excusez-moi, je suis très franc. Et je suis très content parce que le professeur Perron avait dit sa famille a peur parce qu'ils ont mis le fourpillant en psychiatrique. Mais si j'avais été au bout, j'étais foutu. Hein. En tout cas, professeur, je vous remercie infiniment d'être venu, d'avoir choisi François donc, pour venir nous délivrer votre vérité. C'est la vôtre qui n'engage que vous. Maintenant, libre aux téléspectateurs de pouvoir juger de leur côté, en quelque sorte, et de pouvoir nous délivrer, donc sur Internet, véritablement leur point de vue, de pouvoir apporter effectivement tous leurs commentaires par rapport à cette émission que l'on vient d'enregistrer, et pouvoir nous dire si véritablement ils sont de votre côté ou des leurs, je dirais. Merci beaucoup, professeur, d'être venu sur ce plateau. Et je vous dis donc à très bientôt et bon courage à vous et à vos proches et à votre famille en espérant que Noël puisse refédérer un peu tout le monde autour de vous. Merci à vous. Merci. Merci à France ce soir. Et nous allons faire avec Jasper Madère un spécial fête de Noël. Vous connaissez le sujet à l'avance. Hein. Merci, professeur. Au revoir. Merci à vous.